سينا عندنا بنات مغيمة إغاس وسري اللو أنا عن ساونا ما وانا نان رسبتي كيني بيب لغما غير قادو ني فنتة في بيرن نبا فنتة ني ما على كو فري ما كويا ما وانا كينا غي بيرن لما إن ربا على كو فري ما كويا ما وانا كينا Ce qui a été passé 2014-2015 en Guinée ici, c'est l'épidémie, c'est le même l'épidémie, mais le nom est différent, mais presque c'est la même qualité, je peux dire. Parce que l'Ebola était venu ici, a ramassé beaucoup de personnes, mais qu'est-ce qui a fait ça? C'est parce qu'on n'a pas fait les mesures de ne pas saluer les mains, de ne pas serrer les mains, de ne pas mettre les distances. On n'a pas fait ça à l'époque. Mais maintenant, là, comme on a connu ce qui a été passé, presque c'est la même chose. Donc, c'est pourquoi maintenant, on doit faire laver les mains, mettre les distances, 1 mètre au moins, de ne pas frotter les corps. Donc, c'est... Des gens, moi par exemple, je travaille pendant la journée, il faut que je sorte pour aller faire mes travaux. Et si je ne sors pas, donc je ne peux pas avoir de quoi manger. Et puis même, il y a les femmes qui revendent par exemple les trucs, les manger. Donc il faut qu'elles revendent les trucs pour gagner leur petit pain, quoi. Les gens se côtoient et il n'y a pas l'usage des mesures préventives telles que le lavage des mains, la distanciation, le respect de la distanciation. Donc je vois qu'il y a des risques de contamination. Mais si on a du mal à faire un petit peu, mais dans les emballages, on peut mettre les liquides d'abord dans le manifeste ni le cadre. Où les gens se lavent. Si on a l'eau, on peut faire un petit peu, on a la gonfle à gagner carrosse. Mais faire tiens, où les.